Colonne, ça casse. La section de droite, allons, plus vite. Le cavalier de droite, plus vite, allons, plus vite. Allons. Au galop, à la mort. William Bender. Présent. Charles Sautel. Présent. Gilbert Stuart. Présent. George Custer. Présent. George Pickett. Présent. Robert Holliday. Présent. James Longstreet. Présent. Charles Reeder. Présent. Philip Sheridan. Présent. Jacques Hood. Gilbert, viens regarder un peu cette selle. Crois-tu que ça vaille la peine que je fasse un rapport? Je ne sais pas, mais la mienne, elle en mérite un rapport. Je t'abandonne, moi, ta chère cavalerie. Je vais de ce pas m'engager dans l'infanterie. Je ne suis pas né pour être valet de pied d'une jument lunatique. Magnifique nouvelle pour ta jument, mon cher. Vas-y, Gertrude, embrasse-le. Voyons, reste tranquille. Doucement, vieux. Allons. Si tu étais moins entêté, tu ne te ferais pas de mal. Je te l'avais dit avant de partir, Raider, que la bride était trop serrée. À tout instant, tu lui blesses la langue. As-tu jamais essayé de brider la tienne? Non, malheureusement, personne n'a essayé. Je suppose que pour savoir se servir d'un cheval, il faut être né dans le sud. En tout cas, on sait les mettre sous le harnais. Vous savez mettre les nègres aussi sous le harnais, on le sait. En leur zébrant le dos de coups de fouet. Allez, viens. Casse-lui donc la figure une bonne fois. Ah non, attends que nous soyons gradés. Il y a 4 ans que j'en ai envie, je tiendrai bien le coup une semaine. Il faut abolir les lois existantes aux États-Unis d'Amérique. Voilà le but de ma vie. Cette destruction est rendue nécessaire afin que l'esclavage soit définitivement anéanti. L'Amérique sera alors réorganisée sur le grand principe de l'émancipation. Cette œuvre est vaste dans son ensemble, terrible dans sa réalisation, mais son but est grandiose et sublime. Il vaut la peine d'y consacrer sa vie jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Si le gouvernement et sa constitution ne sont pas d'accord avec ma façon de penser, ce n'est pas ma faute, mais la leur. Et je continuerai à les combattre de toutes mes forces et de toutes les armes dont je pourrai disposer. Qui a écrit cette dangereuse ineptie? Un sage qui fera parler de lui, John Brown. Où as-tu pris ça? Ça ne te regarde pas. Si ce n'est pas de ton goût, tu n'es pas obligé d'écouter. Tu lisais pour moi, cependant. Crois ce que tu voudras, à ta guise. Bien sûr que c'était pour toi. Il m'a chanté la même chanson jusqu'à ce qu'il découvre que je n'étais pas du Sud. Allons, Gilbert, viens, laisse ça. Il n'y a pas de loi défendant aux aspirants d'avoir leurs opinions. Mais il est défendu de diffuser un plan de trahison. C'est la vérité qui te choque, hein, je comprends. Écoute, Raider, j'ai étudié et je connais ce problème mieux que toi. Le Sud le résoudra, lui-même, comme il l'entendra. Il n'a pas besoin de la propagande de renégats comme ce John Brown, ni de qui que ce soit. Est-ce que ce mot de renégat s'applique aussi à moi? Relis le serment de fidélité que tu as prêté, juge-toi-même. Le jugement est facile. J'en ai assez de vous supporter, tant de snobs. Depuis 50 ans, vous arrosez vos arbres généalogiques avec la sueur des nègres, vos esclaves. Vous entassez vos richesses et goûtez vos privilèges en vous imaginant que vous êtes le gouvernement. Et quiconque n'est pas d'accord avec vous est traité de renégat, au besoin même de traître. Maintenant, écoute-moi bien, Stuart. Et que tous ceux qui se sentent morveux comme toi se mouchent. Les temps sont révolus et tous les hommes vont s'entendre pour vous écraser, toi et les gens de ta sorte. Ah, Gilbert, fais pas l'idiot, il essaie de battre un bon coup. Vas-y, 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 Reeder. Attention, Gilbert. Thank you.
j'étais au courant qu'il existait une discorde profonde au sein du régiment des cadets. La nature exacte de la campagne subversive cause de cette discorde vient de nous être révélée, ainsi que le nom des responsables. Stuart, les règlements de cette maison sont formels, vous devriez être renvoyé. Et vos amis sont aussi coupables que vous d'avoir pris parti dans cette abominable affaire. Mon colonel, c'est moi qui dois supporter tout le blâme de cette querelle. Je suis le seul responsable. Non, ce n'est pas exact. C'est ma faute. Nous sommes tous responsables, mon colonel. C'est exact. Oui, mon colonel. Si je vous avais cru seul coupable, Stuart, je vous aurais fait venir tout seul. Quant à vous, Custer, et vos camarades, apprenez que le mensonge pour protéger un ami est souvent un procédé extrêmement dangereux. Ce n'est pas tant contre ce pugilat que je m'insurge, mais bien plutôt contre ses causes. Vous êtes tous les sept coupables d'avoir oublié le premier devoir militaire. Ce n'est pas sans raison qu'on a surnommé l'armée la Grande Muette. On ne fait pas de politique, on fait son devoir de soldat. Vous serez donc tous punis. Et punis sévèrement. Le ministère de la Guerre, lors de votre nomination au grade d'officier, vous incorporera dans le régiment le plus exposé de l'armée des États-Unis. Le 2e régiment de cavalerie, actuellement stationné au fort Leavenworth, territoire du Kansas. C'est tout, messieurs. Vous pouvez disposer. Maintenant, faites entrer Reeder. Affronter le danger, moi je trouve ça vraiment épatant. Kansas, la piste de Santa Fe, c'est vraiment une veine folle. Ah, c'est vrai, la cavalerie, le service actif, la promotion, nous surnommés généraux qu'ils n'auront encore tous qu'un seul galon. Oui, mais c'est une contrée désolée. Excepté les ennuis, rien n'y pousse. Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai bien poussé, moi, justement, je te disais. Alors, les enfants, attendez qu'on y arrive, vous verrez comme la vie sera belle. Okay. Ces tracts se trouvaient dans vos affaires. Tout un paquet. Ainsi qu'une lettre qui vous était adressée par un membre du parti abolitionniste vous demandant de les distribuer à tous les cadets susceptibles de sympathiser avec cette cause. Il y a combien de temps que vous avez entrepris votre activité clandestine? Fort longtemps. Idée très intelligente de la part des conspirateurs de placer un agent dans notre milieu. Je vous signifie votre renvoi immédiat, c'est compris? Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour quitter l'école, pour ne plus jamais y reparaître. Vous et votre propagande. Bien. Je dirai à M. Stuart de ma part que je lui conseille de rester dans l'armée et de ne jamais plus se trouver sur mon chemin. Cadet Martin Evans, New Jersey. Cadet Norman Marlowe, New Jersey. Cadet George Custer, New York. Cadet James Longstreet, Caroline du Sud. Cadet Philip Sheridan, New York. Cadet Gilbert Stuart, Virginie. Cadet John Hood, Kentucky. Cadet Robert Halliday, territoire du Kansas. Cadet James Wood, Virginie. Cadet George Pickett, Virginie. C'était ma sœur Katie. Cadet Charles Dora, Kentucky. Toi, une jeune fille bien élevée. Moi aussi, ça m'a échappé. Cadet William Kill, Géorgie. Cadet Robert Davis, New Jersey. C'est vraiment un grand honneur pour moi, messieurs, d'avoir à vous présenter maintenant le secrétaire d'État à la guerre, Son Excellence Jefferson Davis. Messieurs les officiers de la promotion 1854, ainsi que vos invités et familles qui sont fiers de vous à juste titre. Je ne vais pas abuser de votre patience, car sur ces bancs où vous êtes aujourd'hui, j'ai subi jadis l'interminable discours d'un très ennuyeux général de mes amis. En tant que ministre des armées des États-Unis d'Amérique, j'ai un devoir d'information auprès des officiers ici présents avant qu'ils ne se lancent dans leurs activités de commandement. Je tiens à vous exprimer clairement la responsabilité qui vous est confiée par le gouvernement. Nous sommes une nouvelle nation sur l'échiquier mondial. Il y a 8 décennies, nous combattions encore pour obtenir notre liberté
Et nous nous battons aujourd'hui pour la garder. Cette nation se bat pour toutes les libertés. Elle porte le flambeau de l'espoir, et ce flambeau, vous le portez aussi. Nous sommes ici pour défendre une cause, une seule cause, l'Amérique. Grâce à votre infatigable loyauté, et avec l'aide de Dieu, notre nation n'aura jamais rien à craindre dans l'avenir. Et vos existences auront permis de défendre la plus noble des causes, la sauvegarde absolue des droits de l'homme. Beaucoup à apprendre. Allez leur dire d'aller plus vite, voulez-vous? La dernière fois, j'ai dû descendre à mettre le charbon dans la chaudière. Ça encore, ce n'est rien tant qu'on ne pousse pas le train. Dites-moi, où est-ce que je descends? Avec nous, au bout du monde. Ça va, c'est bon. Votre fils nous parlait de ce chemin de fer allant jusqu'à Santa Fe depuis si longtemps, monsieur Holliday, que nous sommes surpris de voir qu'il n'est pas commencé. Cela n'est pas notre faute, tu vois. On peut construire un chemin de fer sur des terres ensanglantées. Personne n'oserait s'en servir. Nous perdons des milliers de pionniers ici à cause de cette voie. Cela n'est pas notre faute. Nous avons entendu parler du raid de la semaine dernière. Quelle est au juste la situation ici, monsieur? En fait, Kansas est un territoire et non un État. Nous voulons faire partie des États-Unis, mais la question est de savoir, serons-nous pour la liberté ou pour l'esclavage? La grande majorité est pour l'esclavage, surtout ceux du Sud. De l'autre côté, les abolitionnistes, avec John Brown comme chef de file. Grâce à ces deux éléments, Kansas est maintenant le centre de la rébellion et du massacre. C'est pourquoi on vous envoie ici, au fort Leavenport. Oui, oui, le fort du casse-pipe. C'est un grand honneur. Excusez-moi, Joe. Faites donc. La première fois que je vous ai vu à la promotion, j'ai pensé à ce que Napoléon a dit en rencontrant Joséphine. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je n'aurais jamais cru qu'un tel pays de sauvages pût donner naissance à la parfaite beauté que vous êtes. Oh, merci. Joliment dit. Oui, ça c'est vrai. Georges l'utilise depuis des années, n'est-ce pas, vieux Georges? Ah, je voudrais trouver aussi de jolies choses à dire, moi. Celle que je trouve en ce moment ne te plairait guère. Vous alliez me raconter un peu en détail votre vie ici. Oui, que fait-on le samedi soir pour se distraire? Autant que je puisse m'en rendre compte, la moitié de la ville prend un bain et l'autre moitié se grille. Et comme il n'y a que deux baignoires dans cette ville, l'atmosphère est assez orageuse vers minuit. Que tu À propos, comment se fait-il que votre nom soit Katie Gaston? Papa et ses amis étaient sûrs que je serais un garçon. Avant ma naissance, il m'appelait Gaston. Et quand je suis née, ce second nom m'est resté. Ah, je vois. Je suis heureux qu'il se soit trompé. Et moi aussi. Et moi. Et moi. Dites, contrôleur, hein? Qu'est-ce que vous comptez faire, là? Quoi parlez-vous? Je m'en occupais. Hé, je vous ai dit que les nègres devaient voyager dans le dernier wagon. Leur billet leur donne le droit de voyager là où il leur plaît. Alors, ne commencez pas à faire des histoires, monsieur. Alors, laissez-nous tranquilles. Oui. C'est à se demander ce que devient notre pays. Les billets. Ne tremblez pas, Anna. Vous n'avez aucune ville à vous faire. Dans une demi-heure, vous serez libre. Il faut se dépêcher, sinon il passe la frontière. Bien, alors, vas-y.
Où allez-vous avec ces nègres? Occupez-vous donc de vos affaires. Je vous pose une question. Sont-ils libres ou non? Voici leurs papiers. Regardez-les vous-même. Oui, ça pourrait avoir une valeur si on ne vous connaissait pas. Maintenant, plus un seul mouvement. Nous allons vous faire descendre de ce train avant qu'il ne soit trop tard. Allez, Houst, debout, en marche. Où est-ce qu'il nous amène, M. Brown? Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà tout le problème. L'esclavage. Il voulait les emmener de l'autre côté de la frontière. L'assassin paiera cher son crime. Je le vengerai, même si je dois être pendu. Qui était-ce? Olivier Brown. Un des sales rejetons de John Brown. Il était seulement... Il est mort, bien mort. Venez donc un peu m'aider, vous tous. C'est pas la peine de salir un tapis. Allez, il faut le retirer. Venez, là. Venez, il n'y a pas besoin de s'énerver. Pour qui peut parler. Assis tout le monde. Voilà ce qu'ils veulent dire quand ils parlent du sanglant Kansas. Il n'y aura jamais de paix sur la piste de Santa Fe tant que John Brown ou un seul de ses partisans sera en vie. La route de Wichita, en suivant tout du long la rivière d'Arkansas. Nous longeons celle de Cimarron, qui va jusqu'à Las Vegas, puis tout droit sur Santa Fe. Donc nous allons mettre en chantier la première étape de Leavenworth à Wichita. Le chemin sera direct. Quand avez-vous l'intention de commencer? On nous fera parvenir l'argent nécessaire dès que nous prouverons qu'un chemin de fer à travers le Kansas est une entreprise rémunératrice. Papa! Quoi non? Où est la feuille d'expédition? Oh zut, j'ai complètement oublié d'en faire une. Ça alors, 80 tonnes de marchandises enlevées et pas de feuille d'expédition. Comment faisais-tu donc quand je n'étais pas là? Ça a servi à grand-chose que je t'envoie te civiliser. Regarde-moi ta robe, et ce fil noir que tu as sur le nez. Que diraient tes amis de Boston s'ils te voyaient en ce moment? Franchement, tu sais, je m'en moque, puisque ton nez à toi ne suit plus les plans de chemin. Il faut bien que le mien plonge dans tes affaires. Tex! Windy! Tex! Où sont-ils ces bons à rien? Pourquoi croit-il qu'on les fait? Tex! Pourquoi je t'ai rien dit? T'as grand jaloux, hein? Ben, j'ai même pas vu Lulu quand j'ai été lui dire au revoir. Oh, ça va, non, ne me raconte pas de blague, espèce de vieille hypocrite. Tu crois que je vais gommer que t'as acheté cette glace pour regarder ta sale bobine? Et tu vas peut-être me dire que c'est pour toi, ce joli corset? Attends que Lulu voit ce que tu lui rapportes. Tu seras un homme mort, ça t'apprendra à avoir du goût. T'es qu'un ignore! Tex! Hein? Hé, hey, vous deux! Enfin, dans une fille, voulez-vous venir? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, moi, rien. Est-ce que par hasard, ces messieurs auraient le temps de s'intéresser à leur travail? Ben, on n'avait pas de montre. On a oublié l'heure en se disputant. J'aimerais bien vous envoyer vous disputer ailleurs. Où donc étiez-vous, bon sang? Eh ben, voilà. On est parti pour aller faire des achats. On a une petite amie là-bas, à Santa Fe. Lulu, grand bluffeur, qu'est-ce que ça veut dire, nous? C'est moi, son fiancé. On l'est tous. C'est sérieux, cette histoire de Santa Fe? Vous achetez une conduite? Oh, c'est un de ses rêves d'avoir un grand miroir. Regardez, une glace toute dorée. C'est pas joli? Et vous, qu'avez-vous trouvé, Tex? Pourquoi croyez-vous tous, bande de singes habillés? Allons, on travaille tous les deux. Allons, faites vite. Il vaut mieux que tu caches cette erreur. Ou alors, mets-la. Prenez dès le début quelle est notre situation. Vous êtes au fort Leavenworth. C'est fini, l'école. Vous formez ici une garnison de frontières. Trois des officiers qui vous ont précédé et que vous remplacez sont enterrés là-bas, au pied de cette colline, au fond du cimetière. Les quatre autres n'ont jamais été retrouvés. Votre régiment a pour l'instant une seule mission.
maintenir la paix sur le territoire de Kansas. Et nous sommes tout seuls. Il n'y a aucun autre fort entre nous et Santa Fe. Nous sommes fiers de cette responsabilité. Nous avons une rude réputation dans l'armée. Et ils nous respectent dans tout l'Ouest. Faites que cela continue. Décision du jour. Les lieutenants Longstreet et Holliday confirment l'exercice aux nouvelles recrues. Les lieutenants Stuart et Custer et une escorte de 8 hommes accompagneront le convoi des marchandises qui partira à midi pour New Mexico. Exécution au plus vite et venez me faire un rapport. Dites-moi, il faut placer ces caisses de bibles pour les décharger en premier et donc un petit trajet à faire. Parfait, patron. En route. Nous sommes à vos ordres, monsieur, si le chargement est prêt. Bien, je vous souhaite un bon et calme voyage. Dans le cas contraire, je perdrai mon argent. On tâchera de vous éviter ça. On se retrouvera dans 6 semaines, j'espère. Ouvrez surtout bien l'œil et marchez vite. Le paysage est joli, mais ne vous y fiez pas. Bien. Au revoir, monsieur. Au revoir, Stuart. Au revoir, Christophe. Au revoir. Alors, c'est fini. Rassurez-moi cette barre. Sergent, ordonnez à 2 hommes de couvrir chaque fourgon. Oui, mon lieutenant. Philippe, approchez ces barils là-bas, près du wagon. Oui, mademoiselle. Ah, oh, tiens. Oui. On dirait qu'on a la même idée. Ça va m'aller. Comment régler ça? Eh. Si tu es d'accord, à la courte paille. Bon, d'accord. Bien. Ah, j'ai gagné. Ah, non, 1 minute. Dans mon pays, c'est la longue qui perd. Pas de chance, vieux. Tiens, regarde mon cheval. Maintenant, je vais additionner. C'est 12, 14, 80. Mais non, il y a quelque chose qui manque. Ça doit être moi. Bonjour. Bonjour, que venez-vous faire ici? Je suis le chaperon de vos fourgons, moi qui aurais tant besoin d'en avoir un. Vous escortez le convoi? C'est une idée de papa. Il croit que ce John Brown est derrière chaque buisson. Ce n'est pas de partir qui m'ennuie, c'est d'être séparé de vous si longue semaine. On commençait bien à... On commençait quoi? Écoutez, je n'ai que quelques minutes. Il faut que je me dépêche. Vous n'avez jamais été ce qu'on est convenu d'appeler lent. Vous êtes deux tourbillons, vous et George Custer. Oh, George, pauvre vieux George. D'ailleurs, peu importe, George, qu'est-ce qu'il dit. Il faut que je vous le dise avant de partir. Je me sens devenir fou d'amour pour vous. Quoi? Non, ne m'interrompez pas, je n'ai pas fini. Je ne vous ferai pas l'éloge de la vie de soldat mal payé, jamais à la maison. Et vous serez peut-être veuve au bout de 2 semaines. Vraiment, vous avez tout prévu. Avez-vous choisi le nom de nos enfants? Oh, soyez sérieuse, Katie. C'est sans doute le plus précieux moment de nos existences. J'espère que non, dans cette tenue. Mais n'avez-vous donc pas de cœur? Si, j'en ai. Il va rester bien sagement où il est. Je ne sais pas du tout qui vous êtes, Gilbert Toire. Mon frère fait votre panigérie. Oui, mais lui, il est tombé sur la tête quand il était tout petit. Laissez-moi vous embrasser pour vous dire adieu. Oh, ce serait un grand honneur, mais... Non, merci. Je ne crois pas le mériter. Bonjour. Tiens, tu es là. Quelle bonne surprise. À propos, le caporal te cherche partout. Il dit que c'est très urgent. Je l'aurais parié. Nous reprendrons cet entretien où nous le laissons. Et toi, Georges, ne sois pas bavard. Oh, Katie, nous partons dans 1 minute et il faut que je vous fasse un aveu. Je suis follement amoureux de vous. Georges, vous me faites l'effet d'être un écho. Oh, Katie, je te demande pardon de t'interrompre, mon vieux. J'ai oublié de vous demander quelque chose. Y a-t-il un concurrent dangereux? Comment voulez-vous qu'une jeune fille réponde à une telle question? En disant la vérité. Elle serait aussi folle que vous. Get going, you bull whackers. Through desert heat and dust, your throats will soon be choking. Your head's about to bust. No water when you're thirsty. And all you'll get to eat is aromatic antelope and sun-baked buffalo meat. Yippee-yay! We may not even live to get our pay. But even if we don't get paid, there ain't no job we trade for hauling freight from state to state along the Santa Fe. Hauling freight from state to state along the Santa Fe. Yippee-yay! Réfléchissez à ce que je vous ai dit, Katie. Je vous le promets. Et soyez prudent, George. Oh, ne vous faites pas de soucis pour moi. Au revoir, chérie. Je suis prêt à faire un pari, Katie. Ah oui, sur quoi? Ces 2 garçons. À 3 contre 1, je te donne le gagnant. C'est ridicule.
soigné. Je tiens le pari. Bien. Volontaires de n'entrer dans le Kansas que bien armés, en cachant soigneusement leurs armes. Ces ordres sont absolument formels. Que les volontaires... militaires. Que les volontaires sachent que nos plans ne doivent être révélés à personne. Qu'ils se joignent à moi en sachant parfaitement que tout traître à la cause mourra, quel qu'il soit, s'il est prouvé qu'il est coupable. Dites-leur que nous resterons unis jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Aucune torture, aucune menace ne forcera nos aveux. Ah, nous voici dans le camp. Je vous préviens que désormais, vous ne pouvez plus reculer. Nous n'en avons pas l'intention. Nous ne sommes pas de cette race-là. Parfait, je vous conseille de ne pas changer. Ça nous évitera beaucoup de complications à tous. Vous êtes très en retard. Aucun ennui, René? Non, chef, on a fait un détour en passant la frontière. Je vous amène des hommes nouveaux de Palmyre, des volontaires. Voici leurs états de service. De l'Illinois, vous venez de bien loin. Et nous voulons continuer, livrer bataille à l'esclavage. Plus tôt sera le mieux. Ah, c'est bien. Vous ne manquerez pas de travail, et tout de suite. Kit Miller, vous prendrez soin de ces hommes. Très bien. Ah, ici. Voilà. Oh, oui, je suis. Nous avons reçu les nouvelles que nous attendions. Nous levons le camp, Reder. Bravo à l'ouvrage. Démontons les tentes! Olivier, tu es blessé? Non, c'est rien. Weber. Papa! Que s'est-il donc passé? Où sont les nègres que tu devais nous amener? J'ai failli être attrapé par nos ennemis dans le train. J'en ai tué un et je me suis sauvé. Tu as abandonné quatre personnes pour te sauver? Il le fallait bien faire. C'était eux ou moi. Lâche, imbécile! À l'avenir, obéis-moi à la lettre. Nous partons tout de suite! À genoux, vous tous. Seigneur, toi qui consoles tous les affligés, tu m'as choisi et as remis entre mes mains la sainte mission de continuer ton œuvre sacrée. Le Seigneur, notre Dieu, est infini. Sa toute-puissance est terrible, elle ne reconnaît personne et ne se laisse pas fléchir. Notre Dieu est le Dieu des armées, et son règne éternel sera glorieux et puissant. Ton bras droit, ô Dieu, réduira en poussière tes ennemis. Hé, hey Oscar, en traversant la rivière, fais bien attention à ton fourgon. Tu transportes ma jolie glace. Hé, hey, Tex, les chevaux commencent à se fatiguer. Quand s'arrête-t-on pour camper? Oh, dès que nous serons sur l'autre rive. Nous serons hors de danger sur l'autre versant. Ah, oh, mon lieutenant, quelle chance de quitter la civilisation. Ça devient pas trop dangereux pour un brave type comme moi. J'en ai rencontré des abolitionnistes dans le temps. Et qui c'est ce damné John Brown dont tout le monde parle? Oh, ça, j'en sais trop rien. C'est une vieille crapule. Quelqu'un dans ton genre. L'avez-vous déjà vu? Non, mais il a tué deux hommes qui étaient des copains à nous. Tu parles de Jim et de ce vieux Alain? Oui. Et c'est pour ça que je voudrais bien le rencontrer, moi, ce sacré John Brown. Il n'en veut pas aux gens de ton espèce, Tex. Il ferait mieux de le laisser tranquille. Enfin, je suis votre homme si on le rencontre. Même s'il n'a rien fait à mes amis. Je raterai pas une si belle occasion. Ce n'est pas honnête, mais... jusqu'ici, nous n'avons jamais attaqué un convoi. Nous ne sommes pas de vulgaires voleurs. Si notre cause est juste, nous n'avons pas besoin de la défendre en violant la loi du pays. Je ne reconnais nulle loi excepté celle de Dieu. Fais ce que je te commande. Officier Reder, attendez mon signal. Thank you.
Holliday? Oui, monsieur. Je m'appelle Smith, John Smith de Newton. Et qu'est-ce que vous désirez? Je crois qu'il y a des marchandises pour moi dans ce convoi. Ça se peut bien. Vous avez le bulletin? Voici la feuille d'expédition. Vous venez de loin avec ce fourgon vide, monsieur Smith. Newton est à 130 km. J'habite en effet Newton, mais j'ai plusieurs succursales dans cette région. Ah, c'est dans ça. Je trouvais vos chevaux bien peu fatigués. 8 caisses de Bible, c'est ça. Aide-moi, Windy, on va décharger cette autre caisse. José, approche ton fourgon. Mettez sur les caisses, là. Elles contiennent des Bibles. C'est curieux, j'ai déjà vu cette tête-là. Ouais, c'est aussi mon impression. Une tête comme celle-là, on ne l'oublie pas, non? Attends un moment. Je sais. Dans un magazine, l'Atlantique, je crois. Alors, il doit être de Boston, c'est un missionnaire. Non, c'est pas ça. On a eu beaucoup d'ennuis dernièrement en traversant le fleuve, monsieur Smith. Ce misérable John Brown a encore fait les siennes. Faites bien attention. Merci, je le sais. Ah, ce que ces caisses sont lourdes pour des Bibles. Hé, hey, qu'est-ce que tu en sais? T'en as jamais vu. Oh. Ces caisses. Très bien, dépêchons-nous. Seulement celles qui sont marquées Bible. Hé, hey, Gilbert, regarde. Notre ami Reder. Ça, alors, c'est une surprise. Mazette, promotion dans la cavalerie. Hein. Tu as été promu aussi, il me semble. Vous les connaissez? Oui, monsieur, très bien. Celui-ci, Stuart, vient d'une riche famille qui a des esclaves en Virginie. Il vous a traité de renégat, alors nous nous sommes battus. John Brown, c'est lui? John Brown? John Brown? Je n'ai rien personnellement contre vous, messieurs, mais je ne tolérerai pas votre intervention. J'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose de louche. C'est une faiblesse de l'armée, Stuart, de ne pas enseigner à réfléchir. Pourtant, ils sont malins, ils ont comme règle de ne jamais tourner le dos à les ancêtres d'abord assurés que... Assez! Nous n'allons pas commettre d'assassinat pour satisfaire vos rancunes personnelles. Un meurtre de plus ou de moins ne vous singulariserait pas, monsieur Brown. Je désire me singulariser. Allez, Ansel, Reder. Et vous aussi, Ansel! Maintenant, vous êtes prévenus. C'est à vous de savoir si vous tenez à la vie ou non. En avant! Ces caisses, alors quoi? Contrebande, fusils et munitions. Alors ça? On est venu livrer nous-mêmes des bibles explosives? Il faut essayer. Tout le monde à terre, nous allons ouvrir le feu. Tout le monde en bas, et vite! Arrêtez! Couvrez les fourgons, nous ne perdrons d'autres hommes! Ils s'en vont, ils se sauvent. Permets de la vie, poursuivons-les. Hé, hey, as-tu réfléchi? Ils sont trois fois plus nombreux. Eh bien, si ça te rend nerveux, ne les compte pas. En avant! Tout le monde en selle, suivez-moi! Tout le monde en selle! Allez, Jean, je te ferai décorer, je te le promets. En avant!
C'est pas ma faute. Je n'ai rien fait. Allons-y, personne ne veut te faire de mal. Qui es-tu? José Brown. Brown? Tu es un fils de John Brown? Oui, mais je n'ai rien fait. Il m'a forcé à le suivre. Et j'ai refusé de tuer, je vous le jure. Et je veux m'en aller. Je veux le quitter. Il faut que vous m'emmeniez avec vous. Entendu. Amène un cheval, Georges. Amenez tous les chevaux. Il faut que quelqu'un le prenne en selle. La blessure est grave. Ouais, ce pauvre enfant est victime de la folie de son père. Un but très noble se cache derrière cette folie. On peut difficilement l'oublier. Georges, as-tu déjà regardé l'aiguille d'une boussole? Elle oscille tout autour du cadran et pourtant elle revient toujours vers le nord. Où veux-tu en venir? Ah, ceci. J'ai toujours su où elle était sympathie, mais ça n'a pas nui à notre amitié, c'est heureux. Il ne nous appartient pas de décider qui a raison ou tort à propos de l'esclavage. Ni à nous, ni à John Brown. C'est vrai, tu as raison. Je regrette. On s'est bien amusé. On avait pari comme ça depuis bien des années. Oui, mais la prochaine fois, quand tu voudras tirer, tu me demanderas de viser. Ah, bon sang, mon gosier est plus sec que le désert. Lève-toi. Ça y est, je le savais, t'as cassé la glace. Quand Lulu va se regarder là-dedans, elle va croire qu'elle a 100 ans. Ou plus. Nous savons que les armes à feu sont prohibées au Kansas. Croyez-vous que nous aurions accepté ces caisses si nous avions eu connaissance de leur contenu? C'est tout ce que je voulais savoir. Ça ne vous paraît pas étrange que le docteur Gabriel Russell, un des hommes religieux les plus éminents d'Amérique, expédie des munitions à la place de Bible à John Brown? Comment puis-je contrôler la marque de ces caisses? Une fois, 3 tonnes de poudre étaient marquées farine de seigle. Alors il faudra examiner chaque caisse expédiée. Quoi? J'ai dans l'idée que cette contrebande se poursuit depuis plusieurs mois. Maintenant, écoute, José. Tu n'as rien à craindre de nous si tu dis la vérité. Je te demande de répondre à ma question honnêtement. Est-ce que ton père a mentionné cet envoi de fusil quand il parlait de ses projets? Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi qu'il se confiait, mais à Fred et à Olivier. Fred et Olivier? Mes deux frères. Où est leur point de ralliement? Je n'en sais rien du tout. Ils ont des tas d'endroits. Je ne sais pas, je ne sais rien. Très bien. Ne te fatigue pas. Si les intérêts du Kansas vous tenaient à cœur, vous n'auriez pas commis cette erreur. J'interdis aux vieilles culottes de peau de calomnier ma maison. Mais voyons, nous avons autant d'intérêts au Kansas qu'en a le gouvernement et nous y avons plus de capitaux. Nous étions là avant l'armée et Dieu le donne, nous y serons encore après. Si vous croyez que vous pouvez. Messieurs. Alors, Stuart, du nouveau? Non, mon colonel. Cet enfant est gravement blessé et il a peur de parler. Nous partons immédiatement, consonne le rassemblement. Très bien. Comment m'avez-vous appelé? Une vieille culotte de peau. Parfaitement. Maintenant, allons. Il dit qu'il parle à Dieu la nuit. Mais Dieu ne donne pas l'ordre de tuer, n'est-ce pas, mademoiselle? C'est un homme bon à sa manière. Mais il a changé tout dernièrement, depuis qu'il a tué. Les gens s'étaient mis à genoux pour essayer de l'apitoyer. Mais il leur donnait des coups de sabre, avec Raider et Kitzmiller. J'étais là. Je les ai vus. Je voulais les empêcher, mais ils m'ont repoussé. Voilà ce qui s'est passé. Nous partons tout de suite. J'emmène le premier escadron à l'ouest de Kemsey. Stuart et vous, Custer, prendrez le commandement du deuxième escadron. Vous patrouillerez en tous sens dans la région opposée. C'est compris? Oui, mon colonel. Voici mes instructions. Trouvez John Brown et ramenez-le ici. Vivant si possible. Ces hommes sont bien armés, ils sont forts et nombreux. De nouveaux volontaires vont arriver de l'est pour se joindre à sa troupe. Tâchez de les surprendre aussi. Rejoignez vos postes respectifs. Qu'est-ce que c'est? Il y a d'autres prisonniers. Il n'y a pas de prisonniers, José. Tu ne l'es pas non plus. Tu n'as pas commis de crime, n'aie pas peur. J'en ai assez d'avoir peur. Je ne veux plus me cacher comme une bête traquée. Je veux être libre comme tout le monde. Mais oui, José, tu l'es maintenant. Non, jamais.
tant qu'il continuera à tuer en croyant avoir raison. Il a tort, n'est-ce pas, mademoiselle? Je n'en sais rien. Ses raisons sont peut-être bonnes. Il peut avoir de grandes et belles raisons, José. Mais sa façon d'agir est affreuse. Oui, terrible. Et je crains qu'il ne continue à faire du mal tant qu'il vivra. Alors je ne serai pas libérée. Jusqu'à la mort de l'un de nous deux. Je le sais maintenant. Ma vie n'a pas d'importance. Mais si lui meurt, peut-être que tous ses projets mourront avec lui. Oui, c'est cela qu'il faudrait. Sa mort. Oui, celle de mon propre père. Pour sauver des milliers d'êtres. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Je ne cherche pas à te faire dire quoi que ce soit. Je vais vous le dire quand même. Il est dans la maison de Schubel Morgan, à Palmyre. C'est là où ils sont. C'est leur quartier général. Dites-le aux soldats. Sa vie. Pour en sauver des milliers. Allez, passe-moi le harnais. Mais fais donc attention, voyons. Ah, attends-moi. Bonjour, chérie. Comment est-il? Pas très bien, mais le docteur est avec lui. Pauvre petit gosse. Gilbert, il m'a tout raconté. Tout le cauchemar de sa vie de 15 ans. Il m'a même dit où se trouve son père en ce moment. Il m'a demandé d'en informer les soldats. Où est-ce? À Palmyre, dans la maison d'un homme nommé Schubel Morgan. Schubel Morgan à Palmyre. Demande si c'est vrai. Gilbert, c'est effrayant. Ce gosse blessé pour la vie. Cet homme dans le train qui est mort pour un principe et qu'on a tué au nom d'un autre principe. L'un d'eux doit avoir tort, mais lequel? Qui pourra jamais le dire, Kitty. Il n'est pas un être qui ne se pose cette question. Oui, des palabres à l'est et le canon à l'ouest. Mais si les mots un jour deviennent canons, abolir l'esclavage, voilà le remède avant qu'il ne soit trop tard. Tout ira mieux quand Brown sera pendu. Alors le Sud pourra s'attaquer à cette question sans que sa fierté en souffre, ni qu'il y soit contraint par une bande de fanatiques. La fierté ne compte pas quand il s'agit de vie humaine. Si, Kitty. Ces deux choses ne sauraient se dissocier dans le Sud. On ne peut pas les séparer, le canon n'y ferait rien. J'espère qu'il en sera de même pour nous. Ah, oh, c'est tout moi, ce maladroit que je suis. À moins que je puisse me joindre à vous. Oui, oui, bien sûr, tu peux te joindre à nous. Tu n'en rates pas une. J'ai pris modèle sur toi, mon cher. Oui, je suis ses conseils. Vous porterez ça à mon crédit, Kitty. Quant aux intérêts, je les laisse s'accumuler. Eh bien, au revoir. Au revoir, George. Kitty, je... Ne sois pas long, Gilbert. Non, non. Au revoir. Au revoir. Rappelez-vous ceci. Je vous aime. Gardez ces mots enfouis au fond de votre cœur jusqu'à mon retour. Oui, c'est promis. Au revoir. Mon lieutenant! Bonjour, les enfants. Bonjour, mon lieutenant. Prenez soin de mademoiselle Kitty pendant mon absence, voulez-vous? Ah non, on va à la chasse au John Brown aussi. Quoi? Ouais, on vient joindre à vous, on s'engage. Quoi, de buveurs et fainéants de votre espèce dans notre armée? Jamais de la vie. Voulez-vous me fiche le camp et allez vous coucher? Bonsoir. Des semaines et il est mort la tête sur tes genoux. Tu as bien pleuré. Pourtant, c'était un petit loup. Et
Et s'il avait grandi, il serait devenu féroce comme son père. On n'est pas des fainéants et on sait soigner les chevaux. Avoir le culot de me traiter de fumeur, moi. Alors que j'ai rien bu depuis midi. Allons-y. C'est tout ce qui gâte bon comme porc salé, M. Bourgade. Ouais, je suis bien de cet avis. Vérifie-le et mets-le dans la grange. Bien, c'est le plus bel envoi qu'on nous ait jamais fait. Je me demande ce que Rider est en train de combiner. Il est en conférence avec le patron depuis plus d'une heure. On va avoir du travail. Rider a des idées. Quand on a reçu de l'instruction, ça sert à quelque chose. Oui, mais faut savoir s'en servir. Ouais. Vous aviez promis de me payer un salaire. De transformer votre bande de brigands en un solide régiment de combattants. Je leur ai montré le maniement des nouveaux fusils, comment obéir aux ordres et comment prendre une ville. Mais je n'ai pas reçu le moindre centime en 3 mois. Ça ne peut plus durer. Monsieur Reder, je vous ai accepté sur la recommandation d'amis communs qui travaillent aussi pour la cause. Jusqu'à présent, je vous ai apprécié, je ne me plains pas. Mais nos plans sont au-dessus de bas intérêts personnels. Si ce n'est pas de votre goût, vous êtes libre. Mais décidez-vous tout de suite. Je ne veux que des hommes loyaux autour de moi. Vous ne pouvez douter de ma loyauté. J'en ai donné la preuve un peu partout, dans chaque ville où nous avons opéré. Je suis engagé comme expert militaire à un prix convenu et je ne demande rien qui ne m'ait été promis. Et moi, je vous réponds qu'un jour, vous serez payé. Mais je veux réfléchir en paix. Mon fils est prisonnier, il est entre les mains de l'ennemi. En ce moment même, on lui passe peut-être la corde au cou. Un gamin innocent qui n'a jamais fait de mal à personne. Et moi, je suis là, impuissant à le sauver. Bien, j'attendrai. Et que comptez-vous faire? La Bible l'ordonne, œil pour œil, dent pour dent. Demain, au petit jour, nous irons détruire le camp de la Loire. Après dans vos pénates. Quelle belle paire de soldats vous faites. Tout ce qu'il nous faut, c'est une culotte et un képi. Et s'il y avait des soldats de notre taille qui se fassent tuer, eh ben... Sarah, placez-vous au bout de la colonne. Et vite, avant que je ne trouve le fouet. D'abord, on n'a pas d'ordre à recevoir. Nous, on n'est pas dans l'armée. Oh, mais on obéit. Quand Kétis aura ça, elle les écorchera vite. À condition qu'ils aient encore leur peau. Qui a fait cela? John Brown.
Combien d'hommes avait-il avec lui? Environ une centaine, peut-être plus. Et quand est-il parti? 3 ou 4 heures. On se rend plus bien compte. Mais c'est vous l'homme qui vous êtes disputé avec un des Brown dans le train. C'est sa vengeance alors? Oui. Notre lutte est sanglante. Brown savait bien que nous l'aurions un jour, s'il ne nous avait pas avant. Mes hommes vont vous aider à enterrer vos morts. Ils vous ramèneront au fort. On n'a besoin de personne. C'est notre affaire. Et personne d'autre, mon lieutenant, doit s'en mêler. C'est nous qui prendrons soin de John Brown, nous seuls. Vous occupez pas de nous, on a du travail. Je comprends parfaitement votre manière de penser. Mais mon devoir est de supprimer toutes les bandes armées, et la vôtre aussi bien que celle de John Brown. Je regrette, mais si vous êtes en possession d'armes, je dois vous traiter comme toute bande armée. Si c'est nécessaire, on saura s'incliner. Quelles sont les nouvelles, Kitzmiller? Une troupe de cavalerie du fort se dirige de ce côté. Les pauvres idiots. Choubel, nous levons le camp. Rassemblez vos hommes, que les fourrons soient sur la route. Remplissez-les, mais pas trop, de la nourriture et des munitions. Vite! Qui s'occupera des nègres? On ne les emmène pas tous? Nous n'en emmènerons aucun. Maintenant, et vais continuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et Gédéon prit 10 de ses serviteurs afin d'obéir aux ordres de Dieu. Ainsi fit-il pendant la nuit. Et quand le lendemain, les hommes de la ville maudite s'éveillèrent, le temple de Baal était détruit. Monsieur Capitaine Brown, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon ami, vous êtes libre. Les premiers parmi les milliers d'hommes qui bientôt ne seront plus des esclaves. Et de dit ça, on se trouve libre. Comment est-ce qu'on va vivre, manger, se coucher? Il ne manquera pas de bonnes âmes qui vous donneront du travail et vous protégeront. Dès maintenant, il vous faut assurer votre subsistance, comme le font les hommes libres. Mon œuvre s'accomplit. Alléluia, Dieu, nous sommes libres. Le chef a tenu sa promesse. Une centaine d'hommes, il vaudrait mieux envoyer quelqu'un chercher le reste de la troupe. Oui, c'est une bonne idée. Moi, je vais aller à Palmyre, Jean. Quoi, tout seul? Tu es fou, Gilbert. Cette ville est infestée de chasseurs d'hommes. Tu n'irais pas loin. Il faut que je risque le coup, voilà tout. Je vais mettre un autre costume et avec quelques hommes, je vais partir en éclaireur. Je tâcherai de te tenir au courant. Bonne chance. Alors, vous êtes toujours décidé à entrer dans l'armée? Hein? J'ai du travail pour vous. Ce n'est pas de tourpeau, loin de là, mais ce sont des gars comme vous qu'il me faut. Vous êtes d'accord? Et on aurait un vrai képi et un bel uniforme? Mmh. Et il faudra peut-être nous enterrer avec. Mais ma foi, tant pis, on accepte. Mmh. La loi n'a pas à fourrer son nez là-dedans. Nous sommes venus nous joindre à John Brown parce que c'est un chef. Un combattant! Il faut en finir une bonne fois! Et nous en finirons ici même, au Kansas! Nous voulons abolir l'esclavage, pas vrai? Ce sont les canons qui y parviendront! Pas vrai, ils ont une façon de vous dévisager dans ce pays. Ouais. Moi, ça me fait absolument comme si je me promenais tout nu et c'est très désagréable. Bah, ce serait pas désagréable seulement pour toi. Qui est-ce que je pourrais bien parler dans cette drôle de ville sans éveiller de suspicion? Au coiffeur, parbleu! Très juste. Un coiffeur qui ne parlerait pas à ses clients ne tarderait pas à devenir complètement fou. Je vais me faire faire la barbe. Hmm? C'est ça. Mon
soir. Un bien joli cheval pour ce pays de sauvages. Ouais. Ici, il y a de beaux hommes et de beaux chiens, tandis que les femmes et les chevaux sont plutôt moches. Hé, hey, regardez cette marque. Un cheval de l'armée. Peut-être qu'il vient de l'acheter quelque part. Oh non, on ne les vend pas. Et ce garçon-là ne peut être qu'un soldat. Ne quittez pas des yeux jusqu'à ce que je revienne. T'as toujours ta petite crampe quand tu regardes le paysage? Je sais pas si c'est ça ou si c'est une bestiole, mais il y a quelque chose qui tombe pas rond. Eh ben, gratte-toi, tu verras si ça va mieux. Ça va pas beaucoup mieux. Ça y est, j'y suis maintenant. On était dans le même train il y a quelques mois quand un type a été tué. Non, vous me confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Ah, ça non, je n'oublie jamais un visage. Et pourtant, j'avais beaucoup bu ce jour-là. Alors, je comprends. C'est mon double que vous avez vu. Vous habitez Palmier? Oh, depuis quelques semaines. On n'y a guère besoin d'un barbier. Ceux qui n'ont pas intérêt à cacher leur visage pour une raison quelconque sont trop avares pour venir ici. En effet, on dirait qu'il y a drôle de gens dans ce pays. Drôle, c'est le mot. Ils me font peur quand j'ai rage. J'ai peur que ce soit eux qui me coupent la gorge. Vous rencontrez quelquefois ce fameux, comment s'appelle-t-il, John Brown? Oui, je l'ai vu une fois. C'est un homme étrange avec l'empreinte sur le cou. L'empreinte? Qu'est-ce que c'est que ça? Les coiffeurs ont une superstition. C'est une petite ligne rouge qui fait le tour du cou. Toute personne née avec une telle marque est certaine d'être pendue. C'est vrai? Vous ne m'envoyez pas, j'espère. Non, mais ça peut venir. Tiens, tiens. Touche pas à ça. Prends-le. C'est une bonne idée, Stuart. De venir tout seul faire ta petite enquête. À moins qu'il ne soit un de tes agents. Je n'y suis pour rien. Je ne l'ai jamais vu auparavant, je le jure. Je ne le connais pas du tout. J'ai déjoué tes plans. Hein. C'est à toi de jouer. Nous verrons bien ensuite. Oh, moi, je sais parfaitement quoi faire. On m'a appris comment traiter un espion quand on le prend la main dans le sac. Le même sort est réservé aux renégats. Quand ils sont pris. Tu vas devenir un grand héros, Stuart. Tout un régiment en grande tenue sera délégué pour assister à ton enterrement et tu auras ton portrait pendu dans la bibliothèque de l'école. Tu seras pendu mieux que ça. Allez, emmenez le don, Raider. Nous perdons notre temps. J'échange un dernier mot avec un de mes anciens condisciples. C'est un réel plaisir pour moi. Allons, debout. Nous allons te montrer ce que tu es venu voir. Nous ne devons courir aucun risque avec ce vulgaire espion. Il faut donc s'en débarrasser. Il y a quelqu'un pour nous. Vite que silence. Qu'espériez-vous donc en venant tout seul jusqu'à Palmyre? L'armée a reçu des ordres de Washington de vous faire prisonnier. J'espérais que si je vous rencontrais face à face, nous éviterions une lutte inutile et fratricide entre vos hommes et les miens. Alors, innocemment, vous avez pensé que je me constituerais prisonnier, comme ça, sans lutter. J'espérais que vous vous considériez assez innocent pour faire ça. La moitié du pays est avec vous et vos théories. Mais beaucoup blâment vos méthodes. Cela vous garantit un procès équitable. Fou! C'est le procès de la nation qu'il faut faire. Vous n'êtes pas assez stupide ou aveugle pour ne pas voir ce que je vois. Un pays ravagé par une lèpre monstrueuse et que Dieu a condamné. Tout cela ne peut se laver que dans le sang. Pourquoi dans le sang? Les habitants de la Virginie ont pris la résolution d'abolir l'esclavage depuis longtemps. Ils ont reconnu leurs erreurs. Ce pays admire la Virginie et suivra son exemple. Donnez-lui le temps. Le temps? Le temps! Depuis 30 ans, j'espère que ce pays va enfin reconnaître son crime. Je rêvais d'une croisade pacifique et Dieu m'est témoin que j'ai tout essayé. La paix n'a rien résolu. Pactiser, ce serait s'avouer vaincu. Désormais, le sort en est jeté. Les deux forces qui demeurent en présence régleront le conflit. La force dans l'action fera de nous des vainqueurs. Et maintenant que le canon tonne,
La voix du désert s'est tue, et c'est David, tout puissant, qui marche vers la gloire. David avait un fils, n'est-ce pas? Un fils? Oui, Absalom, qui a trahi son père et a passé à l'ennemi. Qu'allez-vous donc m'apprendre, Stuart? Que votre fils est mort par peur de son père. José est mort. Qu'il soit béni. Mon fils a sacrifié sa vie pour racheter le monde, comme jadis le Fils de Dieu. Et sa mort ne sera pas vaine. Que vous me tuiez ou non, l'armée vous écrasera tous. Je vous conseille de faire la paix avec le Créateur. Assieds-toi. J'aime pas les barbiers, moi, c'est drôle. Maintenant, vas-tu parler, sale vendeur de pommade, ou je te coupe la gorge. Où est-ce qu'il est? N'en sais rien, je vous le jure. Ils sont venus chercher, ils l'ont emmené par là. Ils étaient combien? Ils étaient trois. Il y avait Olivier Brown. Tu vas se rasseoir, hein? Je m'en vais le garder. Et si un seul de tes cheveux a bougé quand on revient, c'est juré que je te découpe la carcasse. Alors reste tranquille. Réunis comme témoins, pour mes paroles. Un ennemi de notre cause a pénétré chez nous, furtivement, la nuit, dans le but de préparer notre destruction, mais la main de celui qui veille sur nous est venue une fois de plus nous protéger. Ce n'est pas dans un esprit de vengeance que nous allons tuer cet homme, mais dans un esprit de justice pour punir tous les ennemis de l'humanité, tous les ennemis de Dieu. Nous sommes prêts. Regardez ça! Prends les sacs, vite!
continuer, John, jusqu'à mon dernier soupir. Donnez la main. Serré, ma vieille. Ne me dis pas comment je dois faire, petit. Moi, j'ai enveloppé des blancs toute ma vie. Quand ils étaient petits, je leur enveloppais les jambes. Quand ils étaient devenus grands et qu'ils avaient trop bu, je leur enveloppais la tête. C'est pour ça que tu as fui ta maison. Eh bien, le vieux John Brown a dit qu'il nous donnait la liberté. On l'a cru, on savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on l'a suivi, c'est tout. On est guère avancé. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai le mal du pays et je voudrais retourner au Texas jusqu'à ce que le bon Dieu m'appelle. Eh bien, quelle jolie course. Une vraie promenade. Il vous en semer. Oui, Brown a pu s'enfuir. Ouais, et ben moi j'en ai attrapé un. Vous l'avez entendu crier? Ah ben je comprends, c'était moi. Tête tirée dans mon chapeau. Ça n'a pas d'importance. Nous l'avons vaincu. Maintenant, il ne rencontrera plus que des ennemis. Rien ne détruira jamais la force de John Brown. Pas même la mort. Mais si, je t'assure, il est fini. Il est perdu et pour toujours. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi faut-il que je sois privé de ton appui? Pourquoi dois-je supporter seul le poids de toute cette misère? Ah oui, c'est bien là le signe que j'attendais, Seigneur. C'est toi qui me montres la route par ce buisson ardent. Il n'y aura pas de répit sur la terre tant que nous ne t'aurons pas vengé de tous tes ennemis. Comme jadis tu punis les Philistins, frappe, Seigneur, avec rage ces hérétiques et tous ces malheureux aveugles. Je serai ton bras droit. Moi, John Brown, je serai le glaive de Jéhovah. Voici mon œuvre, messieurs. Commencement du chemin de fer menant à Santa Fe. Ces rails vont tracer leur sillon tout au long de la vieille piste, traverser le Kansas et continuer jusqu'au Mexique. Nous pourrons dire un jour à nos enfants que nous avons ouvert les portes de l'Amérique vers le sud-ouest. N'est-ce pas, Kitty? Construis toujours ton chemin de fer, je ne garantis rien pour la descendance. Oui, la fin de John Brown sera notre commencement. Il en coudra peut-être encore beaucoup de sang, mais cela en vaudra la peine. Père, pourrais-je donner le départ du premier train? Oui, à beaucoup de sifflets. T'as une raison de vivre, Kitty. Pour sûr.
messieurs. Merci, monsieur. C'était vraiment bien. Je n'ai pas connu ce chant. Qu'est-ce que c'était donc? C'est une très ancienne chanson d'adieu. Ces jeunes gens vont monter en grade et ne sont rappelés à Washington. C'est splendide. Vous avez de la chance. J'ai mis 10 ans avant de passer capitaine. Et j'ai suivi la tradition en demandant ma femme en mariage le jour même. Voulez-vous vous rafraîchir? Avec joie. Très bonne idée. Si tu le permets, je vais à l'écurie. Mon cheval a perdu un de ses fers. Je reviens tout de suite. Oh, je t'accompagne, je t'aiderai. Et qu'est-ce que tu avais besoin d'aller raconter au major qu'on était les métisseurs de Santa Fe? J'ai dit ça parce que ça ferait bien. J'ai jamais pensé qu'il pourrait nous mettre à l'épreuve. Dire qu'il va falloir qu'il y goûte. Ah, il va nous fichter là. Tu crois qu'il arrivera à le mâcher? Ouais, j'en sais rien, mais je me tue à te le dire. On aurait sûrement dû enlever la peau d'abord. Ouais, en tout cas, on a bien enlevé les gants. Quelle est la solde d'un capitaine? C'est 38 dollars, hein? Non, 40. 40 par mois? Ça doit suffire pour... Pour ce quoi? Eh bien, pour se distraire. Que vas-tu faire de cette paye? Exactement ce que tu en feras, mon vieux. La courte paille? Pas cette fois, c'est trop important pour moi. Comment va-t-on s'organiser? Chacun son tour? Ah non, je me méfie de toi et du clair de lune. Eh bien, on lui demande ensemble. Oh, oh une mais... minute! Oh, mais vous êtes fou! Et pas de résistance. Venez avec nous et écoutez. Bon, voilà. Georges, je vais vous demander quelque chose, Katie. Tu as la parole, Georges. Je ne sais pas comment débuter. Je connais une vieille indienne qui se tient toujours près du fort et qui dit la bonne aventure. C'est une femme épatante. Elle m'a dit que... Quoi donc? Elle m'a dit que j'allais me marier bientôt, avec une très belle jeune fille. C'est vrai, Georges, j'en suis ravie. Ce préambule est plein d'à-propos. Katie, vous n'avez jamais été blonde? Ça, non, jamais, même bébé. Vous en êtes sûre? Cette vieille femme ne s'est jamais trompée. Absolument sûre. Peut-être qu'elle a raison. Il ne manque pas de beauté blonde dans le monde, tu sais, mon vieux Georges. Demandons-lui. Allons. Une minute. Katie, êtes-vous amoureuse de lui et pas de moi? Je crois bien que oui, Georges. Et vous allez l'épouser? Oh, mais dis donc, je peux très bien faire ma demande tout seul. Katie, c'est vrai? Vous ne m'avez encore rien demandé, vous? Je crois que je m'y suis mal pris. Tu ne pourrais pas faire mieux. Maintenant, où est l'Indienne? Qu'est-ce qu'elle dit, Katie? Vous la comprenez? Elle dit que c'est une des dernières fois où nous sommes réunis comme des amis. Demandez-lui quelque chose de sensé. Lequel sera le premier général? Elle dit qu'un jour, vous jouirez tous d'une grande renommée comme combattant, mais que vous serez ennemis. Quoi? Piquet, Wood, Custer, Sheridan, Longstreet et moi ennemis? Elle est bonne à enfermer. Où as-tu ramassé ce vieux paquet, Georges? Je dis la bonne aventure mieux que ça dans une tasse de thé. Autant en avoir pour son argent. Demandez-lui pourquoi nous nous battrons. Voyez, qui commencera? Que vous dit-elle? C'est ridicule, sans doute. Elle dit que la bataille est commencée. Quelque part dans l'Est, elle voit un homme avec une torche. En ce moment même, deux d'entre vous essaieront de le perdre. Mais personne ne pourra l'arrêter. Voilà où je commencerai l'attaque.
à l'arsenal de Harper's Ferry. Donnez-moi seulement une centaine d'hommes, messieurs. Bien armés, craignant Dieu et prêts à défendre la cause. Je les conduirai en Virginie, je soulèverai des milliers d'esclaves mécontents, trop heureux de se joindre à nous. Et puis je foncerai vers le sud et je déferlerai dans tous les états où le mécontentement règne. Ensuite, tandis que la nation sera dans le chaos, nous dicterons nos conditions. Avez-vous songé à l'armée, monsieur Brown? Sûrement l'armée se dressera contre vous quelques heures seulement après votre première attaque. Tant mieux, monsieur, qu'ils essaient un peu de me barrer la route. Je connais le pays depuis des années. Il est plein de cachettes naturelles qui seront des forteresses où des hommes braves pourront déjouer indéfiniment toute poursuite. Monsieur Raider marchera en tête et inspectera la ville. Oui, monsieur. Avec sa parfaite connaissance des méthodes militaires et le grand avantage de la surprise, nous serons à même de duper l'armée à tout coup. Monsieur Brown, votre projet est fou. J'appelle ça de la haute trahison. Une pareille attaque déchaînerait la guerre civile. Exactement, c'est exactement ce que je désire. Alors votre but est la destruction de l'Union. À cette question, je réponds oui. Nous ne pouvons plus hésiter. Il faut que nous nous battions, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas maintenant? Pour venir jusqu'ici, j'ai dû courir personnellement beaucoup de risques. Ma tête est mise à prix, on en offre $10,000 et mon temps est très précieux. Vous m'avez aidé et encouragé jusqu'à présent. Mais tout ce que nous avons fait au Kansas ou ailleurs serait vain si notre œuvre n'était pas menée à sa glorieuse fin. De combien avez-vous besoin? Nous possédons des munitions et des provisions de toutes sortes. Voici mes ordres. Demain à 7h, Harper's Ferry, lundi 18 à l'aube, nous attaquons des deux côtés à la fois et profitant de l'effet de surprise, nous entrons en Virginie. Vous comprenez l'effort que nous attendons de vous. Oui, vous pouvez compter sur nous. C'est René. Il y a de vite. Qu'avez-vous vu? Parlez! Dit quelque chose qui ne marche pas? Ah non, la ville elle-même ne nous donnera aucun mal. Il y a un pont sur le chemin de fer qu'il faudra barrer. Vous couperez la ligne télégraphique de Washington. Et comment s'emparer de l'arsenal? Il est gardé que par deux hommes. Tenez, j'ai pu relever le plan. Bien. Excellent. C'est exactement ce que je désirais. Nous prendrons les otages dans le village. Ça nous évitera d'être attaqués par les civils. Et ensuite, nous nous dirigerons vers l'arsenal. Mais il y a autre chose. Quoi? Il faut que nous mettions nos comptes à jour. Vous avez promis de me payer quand vous auriez reçu de l'argent. Comment osez-vous penser à vos petites affaires un jour pareil? Alors que la nation entière attend sa délivrance. Vous mettez la charrue avant les bœufs, il me semble. J'ai fait un travail que personne n'aurait fait. J'avais donc raison, Appelmire. La cause elle-même n'est rien pour vous. Je vous demande de tenir votre parole. Parole? Auriez-vous oublié que mes méthodes dépassent la loyauté? Je n'ai rien oublié du tout. Mais vous avez de l'argent et vous n'avez qu'à me payer. Vous ne me connaissez pas encore. Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps dans des marchandages quand l'heure a sonné. Mais ici, nous ne sommes pas à la foire. Ben, tiens-toi, nous allons entrer dans le grand monde. Allez, viens. Puis-je voir vos invitations, je vous prie? Nos quoi? Tu vois bien, faut des cartes. On n'a pas d'invitation. Nos invitations, c'est nos uniformes. Non, messieurs. L'uniforme ne peut pas vous servir de carte. Oh, c'est nous, les nettoyeurs du Kansas. Vous n'êtes pas au courant? Je regrette, mais nous n'avons pas besoin de nettoyeurs. Bonsoir, madame. Alors, Andy. Oh, bonsoir, Gilbert. Mais tu es superbe ce soir. Et la reine du bal? Elle n'est pas encore là. Qui attends-tu? Une amie à moi. Elle m'a promis une surprise qui doit rendre la soirée inoubliable. Mais je ne connais personne ici à part Katie. Je ne te dirai rien.
Peut-être n'es-tu pas toujours dans le secret des dieux, capitaine Stuart. Bonsoir, Kitty. Comme vous êtes jolie. Merci. Georges me disait à l'instant que vous lui aviez promis une soirée inoubliable. J'en suis très jaloux. Vraiment? Moi, j'aime beaucoup Georges. Merci, Kitty. Parfaitement. Nous nous comprenons très bien tous les deux. Qu'est-ce qui se passe, Kitty? Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais m'occuper de l'avenir de Georges jusqu'à la fin de sa vie. Kitty! Du moins, s'il est bien l'homme que je crois. Oh, Kitty, j'ai mes défauts. Mais je saurais être plus loyale et fidèle qu'aucun autre homme au monde. On va voir. Attendez-moi là tous les deux. Pas de chance, vieux. C'est si rare, cette alliance du charme et de la beauté. Caster, ce n'est qu'une plaisanterie, j'espère. Oh, ne te fâche pas. Ce sont des choses qui arrivent au plus. Charles, je te présente le capitaine Custer et le capitaine Stuart. Voici Charlotte Davis, qui ensemble en pension à Boston. Charmée, mademoiselle. Très heureuse, capitaine. C'est vraiment un grand plaisir. J'ai beaucoup entendu parler de vous, capitaine. De moi? Oui. Oh, alors, vraiment, je... Enfin, c'est-à-dire que je suis... Dansons-nous, Gilbert? Oui, bien sûr. Mais qui est-ce? C'est sa blonde, celle que lui avait promis la vieille pythoniste. Ah, je comprends. Elle est très jolie. Vous ne trouvez pas? À gauche! Gauche! Section! Halte! Présentez! Halte! Préparez vos coupes! Messier? Oui, monsieur. Demi-tour, droite. En avant, à gauche. Et droite. À droite, droite. Je me trouvais donc isolé au cœur même du Kansas, en face de 500 fanatiques, tous bien armés, tandis que je n'avais moi-même que 15 soldats. Oh, mon Dieu, capitaine, c'est terrifiant. Qu'avez-vous fait? J'ai jugé la situation, le temps d'un éclair, mis pied à terre et affronté l'ennemi. Oh, pas tout seul. Ma chère demoiselle, il est une ère dans la vie d'un soldat où il lui faut tenir ou tomber. Seul. Et si vous connaissiez l'armée, vous sauriez que quiconque hésite est perdu. Oh, mais c'est prodigieux, capitaine. Oh non, ce n'est rien du tout. Voulez-vous que je vous présente à mon père? J'en serais très heureux. Est-il au service du gouvernement? Oui, mais je crois qu'il perdra sa place aux prochaines élections. Oh, quel dommage. C'est ce qui est bien dans l'armée, la politique n'existe pas. Il ira à la pêche, voilà tout. Papa! Bonjour, Charlotte. Bonsoir, colonel. Bonsoir. Père, je te présente le capitaine Georges Custer. Oh, mais je connais le capitaine, je l'ai rencontré lors de sa sortie de l'école militaire. Ah oui, c'est exact. Vous allez bien, Custer? Très bien, mon colonel. Nous avons reçu un bon rapport sur vous, félicitations. Le capitaine me disait justement comment il avait mis fin aux troubles dans le Kansas, et tout seul. Une splendide épopée, splendide. N'y avait-il pas aussi un nommé Stuart, Gilbert Stuart, qui a participé à cette campagne? Stuart? En effet, oui, il était là. Voulez-vous danser? Gilbert, attends, tu as déjà dansé avec ta sœur. Je ne veux pas d'elle, je te veux toi. Dis donc. Non, mais... vous n'allez pas m'abandonner seul au milieu de la salle de bain. Toi, crabe. Philippe, prends soin de cet enfant, veux-tu? Allez, viens là. Es-tu Yves? Non, mais je viens de voir quelque chose d'absolument surprenant. Explique-toi, voyons. Un de tes vieux amis est dehors et m'a demandé d'aller te chercher. Que vient du père ici? Je suis venu te parler. Je connais ton opinion, Stuart. Tu me prends pour un vaurien. Tu as peut-être raison. Cependant, je vais te dire quelque chose qui te fera changer d'avis.
Ce sera difficile, je te préviens. Si je te disais que je viens de quitter John Brown il y a environ 3 heures, qu'il a levé toute une armée et qu'il n'est pas bien loin d'où nous sommes actuellement. Je te demanderai si tu n'es pas malade. Ils vont attaquer Harper's Ferry sur la route qui mène en Virginie ce soir même. Et ils attendent en ce moment un renfort d'environ 1200 hommes qui leur est annoncé de Pennsylvanie. Brown est persuadé que tous les esclaves, d'abord en Virginie, puis dans tout le sud du pays, sont vite en rébellion. Les fils télégraphiques seront coupés, les chemins de fer bloqués. Alors ils marcheront sur l'arsenal et ils s'empareront de toutes les armes qu'ils distribueront ensuite aux nègres. Voilà la situation, messieurs, point par point. Je ne sais s'il vous sera possible de les devancer, mais dans ce cas, il vous faut partir tout de suite. À l'instant. C'est fantastique. Notre service secret disait que Brown avait passé la frontière. Je vous affirme que ce n'est pas vrai. J'ai été constamment avec lui depuis que nous avons quitté le Kansas. Pour quelle raison nous prévenez-vous? Jadis, mon colonel, j'ai fait partie de l'armée. J'étais jeune et je me suis trompé. Je ne le savais pas alors, mais je le sais maintenant. Quelques-unes des choses qu'on nous enseigne à l'école restent ancrées en nous plus profondément que nous ne le voudrions. Je ne veux pas voir mon pays en proie à une guerre civile par la faute d'un insensé comme Brown. C'est plus fort que moi. Oui, je l'avoue, c'est quelque chose qui me dépasse. Ne serait-ce pas dans l'espoir de toucher la récompense, par hasard? Non, j'ai fait ça dans l'intérêt général, je vous le jure. Mais je mérite de toucher la prime. Si vous le désirez, je retournerai auprès de lui ce soir même afin que rien ne vienne éveiller ses soupçons et changer ses plans. Quelle autre preuve voulez-vous que je vous donne? Je dois le croire, le contraire serait trop dangereux. Quand partez-vous, colonel? Nous pourrons quitter la ville dans une heure. Les officiers sont tous là. Appelez-les tous et partez au plus vite vers Harper's Ferry. Vous avez les ordres, capitaine Stuart? Oui, mon colonel. Gilbert, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? John Brown, faites-vous accompagner par les Davis, voulez-vous, chérie? Enfin, qu'est-ce que... Impossible de vous expliquer ça maintenant. Tâchez de calmer les esprits. Dites-leur qu'ils n'ont aucune raison de s'affoler. Au revoir. Au revoir. Alors, aucun souci de ce côté. Bon. Vous m'assurez qu'il n'y aura aucun train avant l'aube? Aucun, le premier est à 8 heures. Je suis allé près de Washington pour en être bien sûr. Vous avez été long. J'ai fait des détours dans les deux sens. Schumel, tourne-les. Dites aux hommes de surveiller le pont. Soyons tous autour de l'arsenal avant l'aube. Kitchener, allez en ville avec 20 hommes et prenez des otages, vous savez lesquels? Oui, monsieur. Que tous les autres me suivent. Nous avons des armes ici pour plus d'un millier d'hommes. Ah, assez de poudre pour faire sauter l'Amérique. Rangez ces munitions près de l'entrée, à portée de la main. Allons vite, mettez-vous à l'ouvrage. J'espère que nos renforts de Pennsylvanie vont arriver. C'est toute une forteresse pouvant faire face à toute l'armée. Que devons-nous faire des prisonniers? On n'a jamais vu un pareil outrage. Pourquoi forcer nos portes et nous traîner jusqu'ici? Qui êtes-vous? Je suis John Brown du Kansas. John Brown? Vous êtes prisonnier du gouvernement provisoire des États-Unis. Si les citoyens de Harper's Ferry tentaient une quelconque intervention, ma foi, ce serait tant pis pour vous. Sinon, vous serez remis en liberté dès notre départ. Il faut respecter notre emploi du temps à une minute près. Nous aurons quitté la ville à 10 heures et à la tombée du jour, nous aurons pénétré en Virginie. Et les renforts que vous attendez de Pennsylvanie? S'ils n'arrivent pas avant, nous pourrons passer d'eux. Ah oui, mais pourquoi tant nous presser? Notre présence ne sera pas connue avant demain ou peut-être dans 2 ou 3 jours. D'ici là, nous serons 1500 hommes. Je ne vois pas de raison pour que nous nous hâtions. Ça me paraît très sensé. Jamais de la vie. J'ai hâte d'en avoir terminé ici. Le temps est notre arme la plus redoutable. Oh, c'est vous qui commandez. Mais cette faute a été faite à l'appui d'une expédition. Mon avis serait d'attendre un peu.
quelques citoyens qui tirent sur nous. Bon, ils ne sont qu'une poignée avec de vieux fusils. On peut s'en débarrasser en 5 minutes. Les idiots! Pourquoi nous combattre? Ils ne comprennent donc rien! Quel est votre nom? Si vous aimez la vie et si vous voulez épargner celle des autres, faites ce que je dis. Oui. Ne tirez pas! La vie de nos amis est en danger! John Brown a promis que si nous laissons l'arsenal entre ses mains, il ne fera de mal à personne! Non! J'ai un ours mort! Cache-toi vite! Quel stupide bétail! Ne peuvent-ils comprendre la noblesse de notre cause? Leurs intérêts sont liés aux nôtres, c'est pour le bien de toute la nation! Nous leur donnerons une leçon ici même, une leçon dont le reste du pays profitera! Balayez-moi ces fous au pied de la colline! Dans la montagne. Emportez le plus d'armes et de munitions possible. Faites vite. Il est plus de midi. Nous n'attendrons pas les renforts de Pennsylvanie. Dix-huit citoyens de Harper's Ferry tués et 33 blessés par John Brown le traître et son armée de rebelles. Cette dépêche nous arrive du Maryland. La route de Harper's Ferry est bloquée. On ne peut plus passer. L'armée et les hommes de Winchester commandés par Lee étaient dans Upperville il y a une heure environ. Ils sont les premiers arrivés à Harper's Ferry. Qu'est-ce que vous regardez, Renner? La route du Nord, je pensais que... La route du Nord est de l'autre côté, pour garder vers Washington. J'avais l'idée que nos hommes allaient encercler... N'en ai pas donné l'ordre, aidez-les plutôt. Bien, monsieur. Mais nous devrions attendre encore une demi-heure, ça permettrait de... L'ennemi est en vue. Bouclez tout. Surveillez les portes. Tous derrière les meurtriers. À vos postes. Feu à volonté. Je croyais que nous avions le temps. Stuart, colonel. Allez porter ce message avec un drapeau blanc à John Brown. Oui, mon colonel. Et ne parlementez pas, oui ou non. S'il vous oppose un refus, soulevez votre casquette. Très bien. Garde-moi ça, monsieur. Capitaine Brown, un messager vient sur la route avec un drapeau blanc.
John Brown de Kansas. C'est moi. Comment on se retrouve, n'est-ce pas? Grâce à Monsieur Raider, nous revoici face à face. De la part du colonel Lille, vous ordonne de vous rendre. Une fois de plus, vous surestimez votre pouvoir. Vous ne m'aurez jamais contre ma volonté. C'est votre dernier mot? Le dernier. Nous préférons mourir. Ils t'encerclent. Escadron B, au galop. Escadron C, à gauche et au galop. Escadron A, à mon commandement, au galop. En avant. Avait trahi le maître pour 30 deniers. Non.
était son destin. C'est pas sur lui que je pleure. C'est sur toute l'humanité. C'est beaucoup plus terrible que le destin d'un seul homme. Vous irez parler, John Brown. J'ai toujours agi comme Dieu me l'avait ordonné. Toutes mes actions, et même les folies qui m'ont conduite au désastre, étaient écrites dans le ciel bien avant le commencement de ce monde. Mais après la nuit et les ténèbres apparaît toujours le grand matin lumineux. Et après l'orage, si furieux soit-il, le chaud soleil et la douce paix reviennent baigner le monde. Et moi, John Brown, je suis certain maintenant que les crimes de ce temps ne pouvaient être lavés que dans le sang. Je vais être pendu. Que Dieu leur pardonne comme je leur pardonne, car ils ne savent ce qu'ils font. Ainsi périssent tous les ennemis de notre union et tous les ennemis de la race humaine. Ils ont comparu devant moi ayant confessé leur foi et se sont jurés fidélité l'un à l'autre, comme en témoigne cet anneau qu'ils ont échangé en se donnant la main. Je les déclare unis par les liens du mariage, liens sacrés, indissolubles, que ni les années ni les épreuves ne sauraient briser. Forts de cette union, ils suivront désormais le même chemin, et pour l'éternité.